Faire le point des nombreuses réformes entreprises par le gouvernement du président Patrice Talon au plan socio-économique et politique, c'est là le principal objectif de la rencontre des militants et militantes des 8 partis politiques réunis au sein de la coalition des forces politiques de la mouvance présidentielle. Il s'agit du Parti démocratique républicain, le Réveil des jeunes pour le progrès, le Mouvement des jeunes patriotes, la Jeunesse unie pour le réveil du Bénin, le Mouvement Fuka-Fuka, le Leadership politique autrement et la Coalition des élus locaux de la 6e circonscription électorale. Tour à tour, les dirigeants de ces regroupements politiques se sont attelés d'abord à une analyse critique des faits marquants de l'actualité au Bénin, avant de saluer les actions du chef de l'État qui, selon eux, viennent booster le développement du Bénin. Encourageons ensemble notre président à travers les grandes réformes structurelles, la lutte contre la corruption et l'impunité devenues une réalité au Bénin. Un effort de gestion saine et transparente des affaires de l'État, caractérisé par une nouvelle école de dynamique progressiste, objective et réaliste dans la méthode et l'art de gérer les affaires publiques. La mise en chantier de bon nombre d'infrastructures routières et des marchés, les réformes courageuses entamées au port autonome de Cotonou. Nous sommes conscients qu'aucune réforme ne saurait aboutir sans mécontentement, puisque bousculant les vieilles habitudes. Une rencontre qui a été rehaussée par la présence des députés à l'Assemblée nationale, tête couronnée de la commune d'Abomey-Calavi et autres personnalités. Ce que le gouvernement fait aujourd'hui, ce n'est pas forcément pour nous qui sommes encore vivants aujourd'hui, mais pour la jeunesse de demain. Donc, ils ont intérêt, toute cette jeunesse-là a intérêt plutôt à suivre ce qui se passe au sein de ce gouvernement et savoir ce qu'il faut corriger et savoir ce qu'il faut, disons, encourager. Comme le président pays a déjà changé, vous voyez que le président va travailler. Au terme de la cérémonie, un présent a été offert à l'honorable Dakwe Sossou pour sa fidélité et son soutien aux actions et réformes du président Patrice Athanase Guillaume Talon.